Bonjour, je m'appelle Carole Ferreira-Sarquin et je suis dans la décoration et l'architecture d'intérieur. Je crois qu'il a appuyé sur les boutons qui faisaient mal et qui résonnaient en moi pour avoir envie d'évoluer, de progresser. J'aime bien le fait qu'il y ait plusieurs supports. Suivant comment on avance en fait, où on peut avancer un peu solo avec les modules à écouter, travailler un peu tout seul, avoir une conversation en particulier, voilà, le fait de mélanger tout ça aide à progresser de différentes manières. Je commence déjà à mettre en place le côté délégation de tâches qui sont chronophages pour moi et qui ne m'intéressent pas, donc ça c'est en cours. Maintenant, je vise dans les 6 premiers mois une large progression avec quelque chose de beaucoup plus défini pour mieux avancer. Je trouve assez galvanisant et comme on dit en anglais, straight to the point. Donc c'est important quand on est entrepreneur de ne pas avoir que du blabla et avoir des vrais outils pour les mettre en place tout de suite. Leur demander quels sont les freins. Et quelle est leur perspective d'entrepreneur ? Parce que je pense qu'à un moment, il faut savoir faire un état des lieux et voir si on a envie de progresser plus ou si on veut continuer à trimer. Et c'est galvanisant.